je vous ai connu à une autre époque où vous défendiez effectivement les Français qui ont commencé à travailler tôt. Vous avez en réalité aucun intérêt pour les Français. Le seul intérêt que vous avez, c'est pour votre congrès. Est-il, oui ou non, selon vous, juste que celles et ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt ont eu les carrières les plus pénibles, ont l'espérance de vie la plus courte, aient à cotiser plus longtemps que celles et ceux qui ont travaillé plus tard, ont eu les métiers les moins pénibles et les moins usants, et ont l'espérance de vie la plus longue? Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Monsieur, Madame la Présidente, Monsieur le député Faure, le 4 janvier, dans une interview à Libération, vous avez dit être favorable à la retraite à 60 ans, vous mettant une fois de plus dans la roue de la France insoumise, mais vous avez dit en maintenant les 43 années de cotisation. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait une machine à décote et à petite pension ? Je vous ai connu à une autre époque où vous défendiez effectivement les Français qui ont commencé à travailler tôt. Vous défendiez celles et ceux qui le matin se lèvent aux aurores, prennent le RER ou le bus, celles qui vident nos poubelles, celles et ceux qui sont caristes, aides-soignantes, etc. Celles et ceux qui, effectivement, n'avaient que vous pour les défendre et vous les avez oubliés. Vous êtes aujourd'hui de celles et ceux qui allaient défendre un projet de loi où celles et ceux qui ont commencé à travailler entre 14 et 20 ans auront à cotiser 44 années quand tous les autres n'auront à cotiser que 43 ans. Voilà ce que vous défendez aujourd'hui. Je ne suis pas dans votre tête ni dans votre peau, mais j'ai honte pour vous, honte de ce que vous défendez aujourd'hui, honte de voir que vous avez renié l'ensemble de vos projets. Je vous ai connu avec Henri Emmanuelli, je vous ai connu avec Martine Aubry et je vous vois aujourd'hui dans ce gouvernement faire en sorte de renier complètement ce que vous avez jusqu'ici été l'apôtre du progrès social. Les effets de manche, pour être applaudis par un peu moins de la moitié de vos groupes, si j'ai bien compté. Les effets de manche ne marchent pas. Les procès en trahison, je suis immunisé, surtout quand ils viennent par ceux qui ont vendu la social-démocratie à l'extrême-gauche pour sauver leur siège. Vous défendez la retraite à 60 ans avec 43 annuités. Vous allez appauvrir les retraités. Vous êtes dans la roue de la France insoumise. Vous vous faites marcher dessus par Jean-Luc Mélenchon. C'est les sociaux-démocrates qui, pour vous, devraient avoir honte. Vous n'avez en réalité aucun intérêt pour les Français. Le seul intérêt que vous avez, c'est pour votre congrès.